parole. Nous bénissons puissamment de Jésus. Le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Que Dieu te bénisse. Zabé à Pambola. Cause de l'amour qui est ne cesse de témoigner pour la parole de Dieu. Nous disons que le Seigneur nous a fait grâce. Ah, l'icône est un mot, le bicombo d'aïe, koumama. Est-ce que est notre Nico? Le coquille, koumongisa, est-ce que nous sommes au monde malade? Nous saluons aussi le bien-aimé qui nous suivent à partir de l'internet. Le principe est mot, la maligne amico, la nabiso, l'état de l'icône, l'internet. Sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ça ne vient pas pour la vie, on a comme Jésus. Merci pour le mot que vous témoignez. Rien que la parole, vous aimez l'enseignement, vous aimez la doctrine, et vous accordez votre temps. Vous allez couper ça tant que la vie dans la que nous nous sommes au culte ici. Tant que vous allez dans le sambo, aussi où vous êtes. Vous êtes réunis pour communier avec nous. Pour écouter la parole ensemble avec nous. Même ceux qui vont nous suivre après. Nous disons que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous continuons avec notre enseignement. Dans la grâce de Dieu, nous voulons prendre la deuxième phase. La deuxième phase de notre enseignement. Si nous avons dit que nous allons parler en deux phases. Première phase, Genèse 46:31-34. Deuxième phase, Genèse 47, verset 1er, verset 2. Il y a encore des choses à dire. Mais faute de temps. Nous ne pourrons pas tout dire. Mais retenez seulement que nous sommes des vergers. Les vergers, c'est nous. Nous qui avons la parole. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est en nous, il vit dans nos cœurs. Nous l'aimons, nous les gardons, et nous les protégeons. Et Dieu vous bénisse. C'est Jésus qui vit en nous. Son nom c'est aussi la sainte doctrine. La sainte doctrine c'est Jésus-Christ lui-même. L'enseignement c'est Jésus-Christ lui-même. Quand nous disons que c'est lui qui a l'enseignement et qui garde cet enseignement, c'est celui-là qui est berger. Et nous avions dit ceci. Quand on est berger, cela attire la colère des Égyptiens. Les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Les Égyptiens ne supportent pas les bergers. Mais si on posait la question aux Égyptiens, ou encore au prophète Moïse, c'est pour quelle raison? Mais les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Moïse nous répondra ceci. Les Égyptiens n'aiment pas les bergers. À cause des animaux que le berger sacrifie. C'est là qu'il y a le problème bien aimé. Les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Non pas parce que le berger est
beau. En réalité, c'est que l'Égyptien n'aimait pas l'animal. Nous avions donné Exode chapitre 8, verset 21 et le verset 22. Quand Pharaon cherchait à retenir les en Égypte, il a appelé Moïse et lui a dit ceci. Comme vous réclamez servir votre Dieu, moi je ne refuse pas à ce que vous puissiez servir votre Dieu, mais je demande seulement à ce que vous puissiez servir votre Dieu dans le pays d'Égypte. Il n'a pas refusé que les enfants d'Israël ne puissent adorer leur Dieu. Mais le problème avec le Pharaon, c'est que même si vous allez adorer, restez adorés dans le pays d'Égypte. Alors que pour le Seigneur, l'Éternel, avant d'offrir à l'Éternel, les enfants d'Israël devraient d'abord sortir. Laisse aller mon peuple. Le peuple devrait quitter l'Égypte et offrir des sacrifices à l'Éternel dans le désert. On n'offre pas les sacrifices à l'Éternel dans le pays d'Égypte. Accepter la demande de Pharaon. Il pouvait rester en Égypte autant d'années en train d'adorer l'Éternel. Mais cette adoration serait antidoctrinale. Parce que la doctrine, c'est quoi? C'est ce que tu as dit. C'est l'enseignement de Dieu. Les Égyptiens, c'est l'animal.
ce problème avec les ennemis de la doctrine, c'est Jésus qui nous a dit. C'est la doctrine qui nous a dit. Quand vous aimez la doctrine, quand vous aimez Jésus, écoutez ce qu'il y a dans l'Écriture. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. C'est ça. Il y a un de les bergers, il y a un bâtiment de la domination aux Égyptiens. Il dit vous bénisse. Vous savez, Apocalypse chapitre 12. La femme qui était enveloppée du soleil. A dit sous ses pieds. Alors c'est là qu'il a sans la salle. Il y a eu les dragons qui s'étaient. Si vous regardez bien, vous lisez attentivement. Ceux qui m'ont vous serez d'accord avec moi. Le problème avec les dragons, c'était quoi? Et ça pas la beauté. Et vous qu'est-ce que les dragons recherchaient? Les problèmes, les dragons, c'était quoi? C'était un enfant qui était dans les ventes de cette femme. Quand on met l'enfant mal dans son ventre, on a des problèmes avec les dragons. Oh, qu'est-ce que je fais à moi? Parce que les dragons, malgré tout que c'est grimace, ne pouvait pas toucher à ça. Qu'est-ce qu'il a péché de toucher à la femme? Moi, si on a terre, ça vient pas pour là. Malgré que le soleil va empêcher au dragon de ne pas le toucher, attends comment il est compétit, ça va un dragon aussi. Mais le dragon va quand même se tenir. Si dans la bonne accosté, les maligots sont moi. Pour chercher à dévorer. Pour la colouka colli à moi, le soleil véritable, moi, il y a solo. Les seigneurs de gloire, Jésus-Christ. Et ça dit qu'on a qu'un Jésus-Christ. Qui nous garde à Zali combattre, qui nous protège à Zali collègue la face aux attaques de nos ennemis. Ceux qui n'aiment pas la doctrine, ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne seront pas vainqueurs. Parce que le soleil nous garde. Vous allez à ma caméra à Colma Cassimon à mon cœur. Je vais donner un Samuel chapitre 7. Mais ça qui m'a gagné, c'est le cinquième. Ah, c'est là mon cœur habitable. Un Samuel chapitre 7. Ah. On avait les choses à dire là-dessus. Et ça qui n'a pas de cassis. L'esprit nous a conduit au terme. Mon livre est venu sur la loulée de mon souci. Aujourd'hui, nous allons faire un effort pour respecter l'heure. Les autres, pour ça, moi, ma cassis. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement contre Étychis. Là aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi les soupçons dedans. Plus on prolonge les discours, plus les jeunes Étychis risquent de tomber. Et comme ça, la paix qui est déléguée, on a dit que la paix est il y a aussi des études sur les gens qui se mettent en sur la fenêtre. Bah, il y a la ligne ministre à couler les colonnes. Il reçoit et l'air du dehors et l'air de l'intérieur. À tous, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas dire. Avec ces gens-là, non, si on prolonge les discours, c'est pour le militaire, il risque de tomber. Qu'on fasse grâce, ça va s'allonger pour nous. Et protéger les tigis. Il y a combattre les tigis. J'ai parlé la langue. Hein. Ah, je crois que tiens bon. À base de son soli kota. Écoutez ce que je dis. Un chapitre 7. Et on a le maquin à mon cadavre pour sa mère. Dans le cadre des Égyptiens, des bergers qui sont en abomination aux Égyptiens. Kaka, la licambo, nous allons dire que la maman te dit, il est battu en bidon pour ça. À cause de quoi? Nicolas a dit. À cause de la vie. Nicolas a dit à moi. Samuel chapitre 7. Ah, mon cadavre pour sa mère, mon cadavre. Verset 5 jusqu'au verset 7. On sera bloqué à mi-temps. Écoutez ce qu'il dit l'écriture. Samuel dit,
Samuel a dit, assemblez tout Israël. Vous savez, qui s'est levé par la boca? Qu'est-ce qui s'est levé pour l'assemblée? Qui s'est levé pour l'assemblée? C'était à Mitzvah. La boca Mitzvah. On devait assembler tout Israël à Mitzvah. C'est grâce qui m'a salué, c'est le mobile par la boca Mitzvah. Et je prierai l'Éternel pour vous. Prenez la commande de la caille pour Nabino. Et ils s'assemblèrent à Mitzvah. Il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Et ils gênèrent en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzvah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzvah. Et le prince des Philistins montait contre Israël. Quand est-ce que les princes Philistins vont monter pour attaquer Israël? C'est lorsque Israël va s'assembler à Mitzvah. Quand Israël s'assemble à Mitzvah, il prie l'Éternel. Quand les ennemis des Philistins vont apprendre Israël est rassemblé à Mitzvah, cette nouvelle ne peut pas plaire aux ennemis. Les ennemis doivent venir faire la guerre à Israël. Si vous posez la question aux ennemis, pourquoi vous combattez Israël? Nous les combattons parce qu'ils s'est assemblé à Mitzvah. Mitzvah c'est quoi? Ah, c'est pas dans la connaissance. Ah, tu dois savoir. Genèse 31. Ah, Genèse 31. Verset 48, verset 49. Ah, 48, 49. À Mitzvah, Mitzvah a été construit un monument. Ah, Batonga qui est quelque chose. On a construit un monument. Ce monument-là, selon Laban, c'était un témoin entre Laban et Jacob. Ah, Mitzvah était élevé à un monument qui était un témoin. Oh, ma chanson étant le même de leur influence.
souvent. Donc, si les justes connaissent cette écriture, le vent est malheur. S'ils connaissent la doctrine, son cahier militaire, que ce soit un malheur qui peut provenir d'un péché quelconque. Qui devrait parler à Pharaon? Selon
Mais quand je parlais à Pharaon, Pharaon vous posera la question. Quelle est votre occupation? Ah, mon salaire est venu ça. Cette question, vous répondrez. Oh, Joseph. Oh, Joseph. 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 Quel amour. Bonigoni. Joseph connaissait parfaitement Pharaon. Il connaissait parfaitement les Égyptiens. Ayeba qui va ici plutôt pénal. Il avait aussi la connaissance de tous les pays d'Égypte. Asala qui peut avoir bien bon comme il est ici. Maintenant, sans souci. Ainsi, pour ça, d'ailleurs. Sans souci. Pour ça, d'ailleurs. C'est que dans les pays d'Égypte. Il savait qu'il était la bonne question. Mes frères. Andé, qu'on a pas de pas habiter par là. Ma femme n'a été ici, Kanyos. Savez vous, frère. Oui, il va bien. Et le pays de Gozen. Mon cas, on a Gozen. Moi, je le donne. Nani na sali okamo? Nazali ko kamo. Comment on appelle gozer le pays? Ba benda ka. Nini ni basoli na gozer? Alors que gozer? Donc kami gozer? C'est une portion de terre. Et ça vient tenir ma vie. Il est dans le pays de Chine. Oh, ça vient dans mon cas ici plutôt. Il y a mon de pizza. Ah. Tomate de la kota. Écoutez. Oui, kamala. Je suis. Je prends la réponse de Pharaon. La Dieu est une femme. Même le verset 4. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays. Mais parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis. Car la famine s'est sentie dans le pays de Canaan. Permet donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. C'est que Gozen. Il y a Gozen. Et c'est très bien. Gozen, c'est un pays. Gozen, c'est un bon carbone. Selon cette écriture. Où l'a nous commis. Et c'est cinquième. Ah, c'est là. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Tata n'a eu pas de mon animal, il n'a eu pas de mal. Le pays d'Égypte est devant toi. Bon carbone, les six pitons et sali, il bosse là. Établis ton père et tes frères. Nous avons deux pays. Il dit d'abord les pays d'Égypte et des emplois. Ensuite, il dit établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Dans la meilleure partie du pays de l'Égypte. Égypte, c'est un pays. Et ça n'est pas un pays. Gozen, c'est aussi un pays. Et ça n'est pas un pays. Mais une chose est vraie. Parce que mon corps est allé à son. Moi, que Gozen, c'est un pays. Attaque Gozen, c'est un pays. Tu dois oublier, tu ne l'as pas oublié. Et c'est qu'il était au Mosana. Nous avons d'abord les grands pays. Tous allés dans un bon cas à mon aile. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Comme pays. Le Colamboc. Mais on dit, établis tes ton père et tes frères. Dans la meilleure partie du pays. C'est-à-dire dans tous les pays d'Égypte. Joseph devrait chercher. La meilleure partie de l'Égypte. Et on dit que cette meilleure partie. C'est le pays de Gozen. Ça n'est pas tous un bon camoné à Gozen. En d'autres termes. Et qui Coloma? Gozen. Gozen, c'est un pays qui est dans un autre pays. Il y a un bon camoufle qui est monnaie. Est-ce que vous avez compris? Ah. Le grand pays, bon camoufle, c'est l'Égypte. Et ça y est, c'est plutôt. Mais Gozen, Gozen, c'est aussi un pays. Mais c'est un pays et qui est dans le pays Égypte. Et ça dit, n'a qu'à dire à mon camoufle qui est monnaie. Mais la différence avec les restes, c'est les terres d'Égypte. T'as si bon que c'est mis, n'a ma mère. C'est le pharaon lui-même. Pour la naissance pharaon, c'est la meilleure partie du pays d'Égypte. Et ça dit, Tegui a qui tocco les cabassous. Laisse-moi te dire. Si quand même quand on parle de l'Égypte, c'est la maison de l'Égypte. Parce que moi, j'ai pour moi. Peut-être dans la zone de Joseph qui
qui est en Égypte. Joseph was in Egypt. C'est Jésus-Christ qui est parmi les nations. Ah, et ça dit Jésus-Christ on a quatre amicoles. Moi je crois comme ça. Dans son dimanche. Quand Jésus est parmi les nations. Jésus a quatre amicoles. Lui-même doit d'abord venir parmi les nations. Il est beaucoup séduit dans quatre amicoles. Mais quand Jésus vient chez les nations. Quand Jésus est parmi les nations. Attention. Que va. Son père qui est resté là-bas. Et ce n'est pas un temps pour mon corps. Et après, ils vont faire quoi? Et il y a un moment comme ça, la mission. Pas qu'on l'a dit, Joseph. N'a pas qu'il s'y pitoie. N'a pas dit, ma bonne. Joseph, Joseph, c'est Jésus. Et ça dit, Jésus. Qui après sa mort, aussi mal il a quitté Israël. Ah, l'homme est Israël. Vous avez remarqué? Beaucoup. Quand Jésus a quitté Israël, d'après son l'homme est Israël. Il est venu où? Aïe, il est venu vers les nations. Aïe, pas la Nicole. Mais pendant que Jésus est vers les nations, quand il y a eu la Nicole, attention, Kéba, Dieu, ça ne veut pas directement quitter Israël. Ah, alors pas qu'il parle à moi Israël. Il a accordé à Israël le temps de grâce à quoi? Après, si je suis Israël, le temps de grâce. Voilà pourquoi les frères de Jésus, les apôtres, voient que la grâce est allée vers les nations. Attends, ton bonheur qui est pas Nicole. Les apôtres ont continué à prêcher. Si Thomas, comment qui compte? Ils ont continué à prêcher Israël. Ah, bah, comment qui m'a compté? Après l'œuvre de la croix. Après le fusion du Saint-Esprit. Les apôtres ont continué à prêcher Israël. Bah, comment qui compte la liberté? Maintenant, Israël va fouler au pied la grâce. Comment Israël la cognata sous son bonheur à ma colonne? Ah, chapitre 13. Ah, mon spécial à ma tombe. Je vais parler avec l'écriture à la fin. Remarquez comment et quand est-ce que le frère de Joseph et son père devraient suivre Joseph dans les pays d'Égypte. Ah, bon, t'as tant commis, mais de quoi Joseph n'a pas tant d'aïe malade. J'ai dit dans ma façon de voir les choses. Joseph, c'est les aînés de voir Jésus-Christ. Ah, Joseph, vous n'êtes que le Jésus-Christ. Quand il a été rejeté en Israël, d'abord, ma boîte qui est en Israël, il était dans la maison d'Israël. À Colombana, quand il s'allait venir en Égypte, qui typifie aussi les nations. Pour la voyage, si plutôt les amis perdent pour la guerre. Quand il vient chez les nations, d'abord, il y a ce pas Nicolas. Les apôtres, Pantoma, c'est-à-dire ses frères, Pandekonaï. Acte chapitre 13. Ah, tous les missiles, la Pantoma, sont mis à Missal. Je suis au verset. Vous allez lire à partir du verset 44. Bokotanga na zela moke a tout terminé. Mais nous pour gagner le temps. Bisopona tango. Nous lisons le verset 46. Bokotanga moe zali zela moke a tout terminé. Et on peut prendre même le verset 45 là. Les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie. Bayuda komone tuluko batoko kalite a ba. Et il s'opposait à ce que disait Paul. Mais dans les côtés de la maloba Paul. En les contredisant en égyptien. À la côté de la lettre pour finir. Paul et Barnabas allaient dire. Paul et Barnabas allaient dire. Avec assurance. Nasuki Samanes. C'est à vous premièrement. Et ça n'est pas la vie. Et la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez. Et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, Dala, nous nous tournons vers l'Église. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il était établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour la commune malobiko qui n'est pas une habitole. Paul va dire, est-ce que vous jugez vous-même indigne de recevoir la parole? Nous tournons vers les païens. Nous tournons vers les païens. Moi je crois l'esprit de révélation. Jésus est le Dans la meilleure partie. Ah, n'a été bien qui t'a coco les gars.
lelo, le Seigneur a tourné le regard aux nations. Kola balusi misu na biko. A balusi misu na kota na biko. La grâce parmi les nations. Ngolo zali de kati na biko. Mais attention. Kasikema. La grâce parmi les nations. Ngolo kati na biko. Mais Jésus. Kasi Jésus. Se place pas. A tiente. Se signe. Bawe ya ye. Ne bonte ou. A misika nyos. Parmi les nations. Na kati na biko. Jésus. Jésus. A choisi la meilleure partie. A poni eteni ya kito. C'est dans la meilleure partie. Et zali eteni ya kito. Ne m'a déconné, il m'a dit, Père à ma patte, et vrai, c'est retrouvé en sécurité. Et c'est qu'elle m'a tout à ma honneur. Oh, Jésus parmi les nations. Jésus, pas ta bigole. La meilleure partie. Et t'es n'y a qui t'en connaît. Aujourd'hui, les noms. C'est quoi? Esaïe. C'est le pays. Esaïe Boka. On appelle l'église. Ah, l'église est ensemble. Savez-vous que l'église est tout un pays? Voyez-vous l'église, Esaïe Boka. Savez-vous que l'église est toute une nation? Esaïe est colo, mon ami Baba. Et c'est une nation. Esaïe est colo. C'est un pays. Esaïe Boka, mon ami. Esaïe Boka. Ecclesia, les amis du mot, Dieu s'est choisi un peuple. Sa mère lui prenait les mots, son nous sommes un peuple. Dans les amis du mot, parmi les nations, mais nous-mêmes, nous faisons la nation. Nous allons pour ça les de Dieu. Yansambé. Laisse-moi te dire. Il n'y a pas de sécurité sur cette terre. Et ça n'est pas tiré de la boca. Si ce n'est dans l'église du Seigneur. Ah, ce que ça n'est pas l'église en cause. Si ce n'est dans l'église du Seigneur. Qui colombe la église en soi, la voix de Dieu. Yosso, y'a dit, ouais, que tu veux. Ah, Yosso, qui coïe. Mais moi, je pense. N'a pas la dimaka. Dans ma folie. Ah, n'a dit, bon mot, y'a pas la dimaka. Ah, n'a pas la dimaka. N'a dit, ma foi. On va dire qu'il y a ici, Kao. Et si, Kao. Donc, nous avons payé l'argent. T'as moto fouti mort. Des loyers. Ah, y'a mon fouti la loupa. La garantie locative. Ah, y'a mon fouti la salle de présence de l'église. Tosu est en droit. Tosu est si, Kao. Je crois que vous avez prié. Consacrer cet endroit. Ah, pour la commande, si vous dans les liens où vous allez vous rencontrer avec les Seigneurs. Le corps est si comme au Yaka Kokuta en Zambé. Je crois que quand on a fait cette prière là, il y a un matin, on va s'aller au Samoa. Et ne trompez-vous. Ah, bon, il constate. C'est que besoin de chercher les caractères. Ah, le pas moi, et bon, moi, nous l'aimons. Il y a des gens qui me suivent sur Internet. Et ça, nous avons un peu de la Nama, il est en de l'Iker. Mais ma femme est là. Ah, moi, si la même passe. J'ai une expérience. Nazali, la Bikele, on va vivre. Oh, l'on dit qu'on bique là. Les frères de Wanga, s'il faut les suivre. Ah, Bandeko Yawanga, le village qu'on appelle Wanga. Ah, Moka Moko Yamoke, ma belle Wanga. Vers Isiro, vers Wachabo. Ah, Kuna, na, ma, et Bumba Isimo Wachabo. Je prêchais là-bas. Nazaré côté à Kuna. Là, on se réunissait chaque matin. Ah, Tosana, la Katongo Isimo. Le matin après les cultes. Ah, Tongo Moko Sima, Yamsa. Nazaré Kola, la Katia. La permanence est en face. Ndako Yamsabu, Italie. Langar, c'est en face. Italie, la Isika, la Tomba Ecclesi. N'a pas mis mes églises. Je suis posé là, dehors. Dans un coup là, on a l'imagine. Vers 10h. Ah, Kuna, n'a été mis en zone. Je vois vers 10h une foule de gens qui amènent une maman. N'a pas dit tout le monde, on a trouvé ma maman. Les gens en train de pleurer. N'a pas dit qu'on a dit. Maman s'agitait. Ah, maman s'agitait. Il dit, eh, après une bombe. Eh, elle dit, bon. Ouais, ça. Avec les messieurs. N'a, mon bain, mon coup. Je me souviens encore que j'avais parlé à cette maman. Ah! C'était une sœur de l'église qui ne venait plus à la prière. Azara qui m'a mis église à Zara et Soukoya. Je me promenais avec un homme de Dieu. Maman, quand Azara est content, voilà mon Seigneur. Je me rencontrais avec la maman. Tu écoutes la maman. Comme des gens vont me présenter la maman, c'est notre sœur, mais elle ne vient plus à l'église. Voté à Terre, ça va être Azara, maman, église à Kazia Kalisou Soukoya. J'ai exhorté la sœur. Ah, n'a l'aide ici. Qu'elle puisse reprendre le chemin de l'église. Vous êtes à Zara qui est à l'église. Quelques temps après, à temps moment comme elle le verrait toujours. J'ai fait plus de 3 mois là. Ah, c'est là qui m'a senti ce jour-là. Je me suis rendu compte. Que la maman qu'on a menée là. Maman, c'est là qui coyait là. C'était cette sœur-là. Ah, maman, elle coyait là. Bon, mais c'est là qui maman. Que Dieu vous bénisse. Après, il dit bon, elle a dit bien. La salle qui s'en est à tomber. Elle partait au champ. Tout d'un coup comme ça. Elle s'était bien réveillée. Elle a fait le ménage. Et après, elle a attrapé la maman. Elle a commencé le tour. Je me souviens encore. Je l'exhorte. Elle m'a laissé entendre. Ici, je ne viens pas à l'église. Ce qui été l'église. Vraiment, j'évite d'être une pierre d'achoppement face à mon mari. Mon mari, il est plus cher que toi.
Ye assemble la kakune pa ba mou. Quand je viens là-bas, vraiment ça me crée des problèmes. Dabo na zoya ni sanga ba santu ezo manka bo. Et sorte la sœur. Na l'église de Komwasi. Pour lui recommander de revenir à l'église. Mais ce métier de ta zone à l'église. Mais ce jour-là, vous savez comment tu es à enseigner ce métier-là du catholique. Oui, bien, 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 il s'en fait à terre, mon bali, voilà. La sœur de Komwasi. A attrapé la folie. Et celui qui portait la sœur parmi tant d'autres, c'était son évêché des catholiques. Ah, mon père n'a pas catholique, on s'en a dit quatre fois. Mais c'est pas au lieu de l'amener chez l'évêché là. Mais et si quelqu'un comme moi est pas à couper, il va demander aux gens de l'amener chez un familier. Qui va te battre, mais il a le sang à ma salle. Et il était en train de prendre. Parce qu'il doit encore la mosse à la main. Rappelez à ça qui va être. Les gens étaient agis. Pas ton attaque, c'est la vraie. Il faut monter. Moi j'ai dit car. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni papa, vraiment, la sève s'agitait. Maman, la tête a commis tout qui s'appelle. Et puis au frère qui était là, le frère a aussi me suit. Ah, Nekostra, pour ce cas-là, il est là. Le frère, je les ai dit, allez, entrez cette sœur dans la gare. Allez, vive mon côté, sa maman, la tête de l'église. Et ils ont transporté la sœur. Amélie, maman. Ils l'ont déposé dans la gare. Et qui est pour la nécessité de sortir de la gare. Et si ma tête va bima. Sortez de là. Obima Kuna. Moi j'étais la calme. Allez, ma sœur, il y a six fois ici. Ah, papa, catholique, fada. Toi c'est qui? Yosala. Oh non, moi c'est son mari. Comme d'aller, moi c'est son mari. Comme on va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh papa, nous sommes bien réveillés. Ah, tu l'as mouki malade. Elle va faire les déchets. Ah, c'est une pris mon déchet. Ah, la ligne est la fait. Elle a pris son bassinet pour aller à Zim au champ. À quelle langue? Mais tout d'un coup, je ne sais pas, on me la ramène. Bah, mon copain m'a mené. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vais poser la question. Pourquoi tu ne l'as pas amené chez M. Labé? Pour la ligne au mémé, t'es pas ma mouille. Pourquoi tu l'as amené ici? Pour la ligne au mémé, là. Pourquoi pas passer à Ouanga Sabela? Papa, mais moi je vais témoigner cette série. Yo, Pixarika Yabo Sabela. Ah, moi je vais témoigner parce que toi tu l'as terminé de venir. Papa, on a dit que papa sur la vie. Ah, papa, ne suis pas, c'est la toile. Moi je suis la carte. Elle a fallu aller crier. Eh, vous voyez comme si j'ai passé le temps pour lui. Bon, d'ailleurs, c'est comment on a ça? J'ai dit non, toi tu devrais l'amener chez les Arabes. Mais c'est que là que je ne mets pas ma mou, père. Tu ne mets pas la bénédiction. C'est bien que tu ne mets pas ma mou. Tu refuses qu'elle ne puisse pas venir prier. Parce que nous sommes pas ensemble à la santé. Mais comment? Non, les guénis. On s'en met, mais ce n'est pas la santé. Papa Souda. Ah, papa, mais j'ai commencé à exhorter ses frères. N'a pas dit qu'on est dit ça. J'ai commencé à prêcher ses frères. M'a dit qu'on t'est allé. J'ai commencé à prêcher. N'a pas dit qu'on t'est allé. Les gens étaient là, ma foule. Bah, Thomas, c'est toi, les bénis, ma mou, les bénis. Les gens étaient là, quand tu as collé là. Les certains. Mais comment on a amené un malade? Au lieu de s'empresser, on l'a dit à ça, 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 on Vino, 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 vino
Ça doit prouver là-bas, Jérusalem. Vous voyez, qui va fabriquer ça? Jérusalem dit le pain libre. Oh, Jésus a distribué dans les disciples. Que Jésus avait distribué à ses disciples. Aucune écriture ne dit. L'icône n'a pas été de lui. C'est Jésus qui avait fabriqué ses disciples. Ah, dans sa vie, l'icône a tellement connu. Aucune écriture. Attends, l'icône. Ne montre. Et ça lui compte. Et ce pain là. Et te vigne. Il a été fabriqué par Jésus. Oh, yes, ne montre. A été fabriqué par Jésus. Ses frères là, vont se présenter à Kokenda Gobert.
les sept frères, nous allons étudier le nom de ces sept frères. Parce que moi je crois qu'il ne manque pas des noms. Chaque fils de Jacob, Moi je cours. Dans cette délégation, n'a qu'à se battre.
le travail que les vivez. Et ça dit mon salon lève ça là comme ça. Tu n'es pas de la tribu de Lévi. Donc, quand il y a un Satan, il y a un Satan. Qu'est-ce qu'on a dit?
était réservé à mon je mange la dîme. Je fais pour être dans ce même travail. Ça va pas plus. Et Dieu, lève-nous pour la prière. Aujourd'hui, je vais vous dire que avec les deux secondes. Mais pour aujourd'hui, pour aller là, j'étais révélé. Dans le travail là, nous c'est le travail des Lévites. Nous nous sommes des Lévites. 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 C'est un médiateur. Azali Mota Kati. Il y a toujours la médiation. Azali Mota Kati. Kati peuple. Il y a un peu de Dieu. Attendez. Je veux que ce soit l'esprit ministériel. Moussala Lotor. Soit la médiation. Azali Mota Kati. Entre toi. La Kati Kati. Et ton Dieu. Paix Natsambé. Selon que. Alors les biens. Tu te connais toi-même. Selon les problèmes qui te préoccupent. On a dit ça va capoter. Selon les soucis qui te dérangent. On a dit ça va poser. Les maladies qui ne cessent de te tourmenter. Lui le véritable pharaon. Oh yo, Asali. Quand les cinq frères ont parlé à lui, il a accordé à Israël. Il a pensé qu'Israël. Tout ce que les cinq frères avaient demandé. Nous allons élever nos voix. Ils sont au côté pour la mort. Et maintenant le Seigneur. Allez, ma vie, tu vas savoir ceci. Le Seigneur est pas bon. Il y a une écriture dans la Bible. Le Seigneur a dit ceci. Qu'on a le invoque-moi. Béni la main. Au jour de la grâce. Moi, Gaïaoué, je te délivrerai. Ah, Nabucco, là, et toi, payant, tu me glorifieras. Ah, il y a un bon de la main au consacre sur la terre. Cette situation nous a promis sous ce sein comme la vie. Le permet cela. Qu'on la paix à mon Dieu. Seulement parce que nous puissions les glorifier. Seulement parce que nous puissions l'invoquer. Mais Dieu, ce que Bélé l'aïe nationale. Parce qu'il dit, invoque-moi mon jour de la terre. Mais t'as l'on dit, Bélé l'aïe, nous allons prier. Chacun de nous, c'est son problème. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de ces problèmes. Je te dis que Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus peut changer ta situation maintenant. Il peut faire disparaître ta maladie. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Je sais que comme elle est d'avoir pris le Seigneur. Tu peux trouver grâce ce soir. Ah, on a dit qu'on a pour nous. Il t'a envoyé ses salis 20 ans. Ah, les problèmes qui arrivent. 15 ans. 15 ans. Tu peux trouver grâce ce soir. On a dit qu'on a pour nous. L'éternel et t'es allé. Change ta situation. Ah, bon, voilà. Élevons nos voix. Nous te prions tous au nom de Jésus. Chacun selon son problème. Chacun selon sa difficulté. Chacun selon. Yeah.
Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes les sous-titres de chacun. Sois avec nous.
Oye, mon papa, la mamá, 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 la mamá